Eh bien, épisode. salut à vous les gens, Ah, ça j'espère que m'appelle. vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Hunter Call of the Chibre. Je suis sur la version bêta. Tout simplement pour vous montrer seulement les buffles. Vous allez voir les cornes qu'ils ont, le changement qu'il y a eu un petit peu. Et on va voir ça. Donc en fait, on recommence à zéro, c'est-à-dire que j'ai pas de points de compétence, j'ai rien du tout, c'est vraiment la version bêta. Donc j'ai du boulot à faire et bon, ok, je vais passer tout ça. Aïe 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 aïe. Donc voilà les gens, j'ai débloqué une maison, j'ai pu acheter quelques munitions. Avec une petite lunette, mais le fusil était gratuit, donc bien sûr je l'ai pris, la lune de front. Et bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer. En même temps, je disais, voilà, j'ai essayé la version bêta là où je suis, bien entendu, vous l'aurez compris. Et aucun crash. Donc apparemment, ça a été travaillé dessus. Hein. Et sur l'autre, je vous disais que les vidéos commençaient à me gonfler de les faire tout simplement parce que j'avais plein de crash. Et là, c'est surtout pour vous montrer les buffles. Donc il y a des femelles qui sont 6 difficiles, 7 difficiles j'ai vu, qui ont des cornes, enfin vous allez voir ça, c'est magnifique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est les seules choses pardon, dont je vais vous montrer sur cette vidéo. Hein. La bêta se termine le 27, donc voilà. Bon, je vais essayer de trouver du bougivier. Hein. À mon avis, ils sont derrière là. Donc là, vous avez un bon point de vue. Regardez celle-ci, les cornes qu'elle a. Alors, j'en ai touché une. Je vois pas où elle est. C'est-à-dire qu'elle avait une grande corne d'un côté. Et comme une corne cassée de... Ben, je crois qu'elle est décédée, en fait. Et elle avait, si vous voulez, comme une corne cassée sur le côté. Parce qu'il faut savoir que réellement, les animaux ont des cornes apparemment de plus d'un mètre, comment dire, 1 m 30, 1 m 30 apparemment. Hein. Donc on va aller voir l'animal. Donc là voilà. Donc c'est une femelle, 5 moyens. Donc là regardez, munitions adaptées pour cet animal, non, ça c'est nouveau. Hein. Animal abattu à plus de 2 tirs. Organe de trophée intact. Voilà, ça c'est nouveau exactement. Des cornes, le crâne, ok. Et vous voyez, regardez sa corne ici. Elle était beaucoup, beaucoup plus courte. Je sais pas si on peut voir un peu mieux. Oh, elle était plus courte. Hein. Là, par contre, l'empaillage, il a augmenté. Hein. Ouais, là, vous devez voir un peu mieux quand même la corne. Une corne qui est gigantesque et l'autre qui est beaucoup plus petite. Score A plus B, hein, j'en sais rien. Bref, accepté. On y retourne. Regardez-moi ces cornes. J'ai fait toucher par un kangourou, Francis. Hein bon, j'ai pas la meilleure arme pour ça, bien sûr, mais bon. J'essaie de voir ses traces. Hein. Bon, attendez, oui, du coup, les touches du clavier ont changé. Attendez, je l'ai touché vers où? Et ouais, il n'y a plus les points de compétence, il n'y a plus rien, mais bon, bizarrement, je vois pas les traces. Ok, nice. Look at this. J'essaie d'en tirer plusieurs pour me faire un peu d'argent, hein, pour acheter des munitions, bien sûr.
Ok, nice. Bon, je vais recharger. Cette fois, les traces sont un peu revenues. Ok, nice. Donc, j'ai trouvé le cadavre. Alors, je sais pas combien de blasts elle a pour au final. Donc, regardez ses cornes. Hein. 8 mythiques. Munitions adaptées pour cet animal. Non. Animal abattu à plus de 2 tirs. Non, bah non, j'ai un truc de merde. Hein. Donc, ceci est un mâle. Organe endommagé. Trophée endommagé. Ok. Ça me fait des pépettes, hein, Francis, hein. Bon, allez, je vais continuer dans mon ascension. Voilà, donc là, je viens de tuer une petite bestiole et on voit que tout est bon. Et en plus, il est dilué, nice. Bon, je peux pas en payer, de toute façon, ça sert à rien, je suis en bêta. Mais c'est pour vous dire, voilà, faut munitions adaptées, etc. par rapport à la bestiole. Voilà, donc encore un exemple. Donc celui-ci, j'avais la munition adaptée, 2 tirs. Et bah malheureusement, j'ai touché le trophée. Hein. Le trophée a été endommagé, Francis. Hein. Ok, donc là, je viens de tuer apparemment un petit buffle. Hein. On voit que celui-ci a les cornes beaucoup plus... assez petites. Ok, un mâle, 4 faciles. Munition inadaptée pour cet animal. Cher cœur, je l'ai mis quand même, mais bon. Tant pis. Ok, par contre, on a toujours les problèmes. Regarde au-dessus de ma tête. Les traces, quoi. Alors, ici. Moi, j'aurai toujours les munitions inadaptées, de toute façon. Ok. Gain de niveau. Ouais, donc voilà, ils ont encore pas mal de problèmes à régler. Hein. Il est beau, lui. Donc, move! Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Bon, il est tombé à mes pattes. Regardez ces carnasses. Oh, c'est un légendaire. Mais j'aurais eu la munition, les munitions adaptées pour cet animal. Je pense qu'il aurait pu passer en diamant. 9 légendaires, donc vous avez vu, cher cœur, d'accord. Ça rapporte du fric tout ça. Alors là, j'en ai touché un, les gens, je vous garantis que. Il est énorme. La pluie tombe. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit. Oui, j'ai eu un crash, encore une fois. Ouais, il est au galop, mais... Et ouais, on voit juste ses saignements très faibles. J'ai plus les compétences, bien entendu. Ah, ça va être compliqué, Francis, hein? Ok. Alors du coup, je sais pas la touche pour me coucher, vu que ça a changé. Donc vous voyez, il a pas tout à fait les mêmes cornes encore. 9 légendaires encore? Oh! Ok. Pour les empailler, hein, comme je vous ai dit, le prix change, hein, c'est plus les mêmes, hein, Francis. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit, j'ai dû changer d'arme parce que bon, ben, l'autre elle était trop limitée. Je devais en faire tout simplement des passoires. Je sais pas si c'était un mâle ou une femelle, du coup, j'ai pas fait attention. Comme je vous ai dit, j'avais fait une femelle 6 difficile et 7 très difficile. Donc est-ce qu'il y a au-dessus? Ouais, je vais essayer tant bien que mal de vous montrer ça. On en voit un pas mal ici. C'est coché d'une tête. Bon, comme dit après, j'ai pas l'arme adaptée. Donc on voit que quand on n'a pas les compétences, le temps de recharge là, de recharger l'arme et de l'épauler, qu'est-ce que c'est long, regardez. Regardez sur mes vidéos après précédentes.
C'est un mâle encore, c'est très difficile. Donc je voudrais vraiment vous montrer une femelle. Hein. Mais bon, ça on a compris, de toute façon maintenant c'est la lose. Donc à savoir, est-ce que dans nos loges trophées, on aura les cornes? Et si on a des légendaires empaillés par exemple, est-ce que les cornes vont changer puis qu'on va avoir les cornes? Ou alors est-ce qu'il faudra recommencer? Ça, je n'en ai aucune idée. Ah voilà, moi je me suis incrusté sur une bêta comme un druge, ouais. Ok, donc là. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Donc, je viens d'avoir encore un crash. Vraiment qu'ils vont réparer ça, vraiment. Ok, voilà la madame. Enfin, ou le monsieur, je ne sais pas. Ok, un mal, 5 moyens. Ok. Donc il a de belles cornes, mais ça doit pas être un bien gros. C'est difficile à mâle. Je voulais vraiment vous montrer une femelle, mais je vais pas y arriver. Hein. Je vais pas lui en mettre plus de deux. Donc j'ai regardé, mon arme est adaptée, pardon, sur des tout petits, mais sur eux non. Faut vraiment trouver. Enfin bon. Bon, je vais la chercher ou le chercher. Nous y voilà. C'était un mâle, d'accord. Bon bah décidément, les femelles sont pas de sortie, hein. Ok. Je vais essayer de me charger une fois celui-là. Ok, c'est encore un mâle. Ah ben. Ok, donc les cornes sont correctes. Regardera si c'est une mâle ou si c'est un mâle ou une femelle. J'ai du mal à trouver. Pour l'instant, j'en ai tué pas mal, mais surtout des petits mâles. Pas une femelle. Hein. Super, j'ai encore crash. Comme d'hab. Voilà les gens, donc bah écoutez, c'est Izzy qui va se terminer cette vidéo. Trop de crash, donc voilà, je suis comme tout le monde. Au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc je vous ai montré quand même pas mal de belles bestioles. C'est ce que je voulais, surtout au niveau des buffles. Vous montrer les cornes qu'ils ont fait, etc. J'ai pas pu vous montrer de femelles 6 ou 7, très difficile, mais bon, j'en ai déjà eu sur. Bah, quand j'avais essayé la bêta tout de suite. Et voilà, donc elles y étaient bien. Bon, en tout cas, bah, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, pensez au petit schtroumpf. Je rappelle que j'étais sur la version bêta. Je vous dis à très bientôt les gens. Puis surtout, prenez soin de vous et je croise les doigts pour qu'ils règlent les bugs. Allez, la bise à vous les gens. Ciao, ciao.